six gendarmes. Et que Dieu nous protège loin de tous nos foyers. Aujourd'hui, toute la collectivité de la gendarmerie de Guadeloupe s'est rassemblée dans toutes les casernes et à Saint-Claude, au siège de l'état-major, pour montrer à la fois leur tristesse, leur recueillement, mais aussi leur soutien à la famille et aux proches d'Arnaud Beltran. Ici aussi, on est particulièrement marqué par ce qui s'est passé à Métropole, on est parfaitement solidaire et l'ensemble de la collectivité gendarmerie, les familles, On souhaitait participer à cette cérémonie en hommage à notre camarade. C'est une journée de tristesse, c'est une journée de deuil et c'est une journée malgré tout où c'est aussi une journée d'espoir parce qu'il nous a montré l'exemple à suivre. Il nous a montré que le sacrifice et le don de soi pour le service de la nation, pour la protection des concitoyens étaient des valeurs qui était partagé et que tous les gendarmes de Guadeloupe partagent évidemment. Et il nous a montré l'exemple par le sacrifice qu'il a consenti.